Bonsoir, bonsoir à vous, chers amis. C'est encore le papa de Mona, le papa de Naila. Nous allons faire un nouveau cocktail. Amine, c'est pas un nouveau cocktail, c'est un cocktail que nous avons déjà fait dans le passé, mais sauf que il n'y avait pas la vidéo de ce que nous avons toujours appelé behind the scene, c'est-à-dire comment ça a été fait, voilà, dans les coulisses, comment ça s'est passé. Donc, je vais essayer de montrer comment c'est fait. C'est un peu long, mais je vais essayer. Voilà, le nom du cocktail, c'est Strawberry and Creamy Daiquiri. Strawberry and Creamy Daiquiri, c'est pour vous. Nous avons déjà mis les ice dans notre blender. Voilà. Nous allons mettre 45 millilitres de rhum. 45 millilitres de rhum. Donc, je vais estimer. Déjà, je sais à quoi ressemble à peu près 45. Voilà. 45 millilitres de rhum. On met 45 millilitres de peach schnapps. Voilà. 45 millilitres. Voilà, 45 ml de peach schnapps. Ensuite, nous allons mettre un peu de grenadine. Voilà, juste voilà. Ensuite, nous allons mettre 15 ml de simple syrup. 15 ml de simple syrup. Voilà. Ensuite, nous allons mettre. Donc, des strawberries, voilà, des strawberries, des frozen, hein, ça vient du congélateur, donc c'est congelé. On met les frozen strawberries. Voilà, je pense que le compte est bon de ce côté. Voilà, nous allons blender. Voilà, une fois que ça c'est bon, on met ça de côté, comme ça. Ensuite, on va préparer notre deuxième couche. Alors, notre deuxième couche, on a besoin de 15 ml de whipped cream vodka. Donc, déjà là-bas, il y a beaucoup d'alcool. Donc, ici, j'en peux. Voilà, 15 ml, c'est à peu près ça. Ensuite, nous allons mettre combien? 4, 4, 16. Donc, 160 ml. Hein, donc, de. Heavy whipping cream, voilà. Heavy whipped cream, on va dire 160. Voilà. 160 ml. Ensuite, je peux encore ajouter un peu parce que c'était pas. Voilà. Ensuite, je mets ça de côté. J'ajoute un peu de vodka. Bon, peut-être on va dire 20 ml. Hein, 30. Voilà. Ensuite, on va mettre un quart. Alors, qui correspond à combien, je crois. Attendez, voilà. Ça correspond donc à 60 ml, on va admettre 60 ml, voilà. Donc, a quarter cup, voilà, de powder sugar, voilà, du sucre en poudre. Hein. Voilà, on va mesurer celui-là. Oups. Voilà, je pense qu'on a ce qu'on veut. On met dans notre blender comme ça, ah bien, dans notre vase. Ensuite, on va mettre juste quelques gouttes de vanilla extract. Voilà, juste comme ça. Voilà, c'est bon. Alors, normalement, il y a une machine pour essayer de blender ça, mais nous, on va utiliser. On va faire ça. On va faire ça un peu manuellement. Donc notre première couche, voilà, on dépose comme ça. Voilà. Ensuite, après ça, on va donc. Déposer
notre deuxième couche, comme ça. Voilà. Ensuite, on va déposer. Alors, je vais peut-être ajouter un peu légèrement, comme ça. Voilà. Ensuite, je dépose encore notre deuxième couche. Alors, je vais essayer de m'assurer que ça ne va pas bloquer. Voilà. Ensuite, j'ajoute une autre couche. Voilà. Ensuite, je dépose encore. Voilà. Et je garnis donc avec une strawberry. Hein. Voilà. Voilà. Voici pour vous. Strawberry creamy decorate.